Ici, Odinui Chewan. Ça veut dire mon ami. Mais moi, je t'appelle Neshim. Comme une sœur. Faudrait que t'aies ta maison à toi. On s'en construirait une maison. Tu sais, avec un jacuzzi en plus. T'as dit ma tour d'une que t'as moi, toi, on va les bords. On va les bords. Je vois qu'on a des nouveaux en plus. Que ça fait longtemps que t'écris. Oui, quand même. Le monde est surpris là, de voir une fille de la réserve à l'atelier. Genre, on dirait qu'il se mélange pas à nous autres, là, les blancs. Arc. Ouais, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, hein. OK, je recommence. Pensais-tu que j'allais mettre du cash-tin? Ben quoi? C'est bon, ce cash-tin? C'est qui, lui? Un gars à mon atelier. Un blanc? Un blanc. J'ai décidé de m'inscrire au cégep l'année prochaine à Québec. Francis, il vient avec moi. On dirait que t'as plus de fierté. C'est pas les autres qui ont changé, c'est toi! J'en ai plus assez bon, Robert! Francis, là, il me connaît mieux que toutes vos autres! Si tout le monde, là, fait comme toi, on serait plus là. On vient tellement de deux mondes, genre totalement différents, là. Mon centre du monde se situe dans une baie, recouverte de neige 6 mois par année. Je crois qu'il est possible, sans s'en rendre compte, que le lieu qu'on habite déteigne sur soi et d'accepter docilement que nous sommes nés sans envergure. La fierté est quelque chose qui se construit. Pour se tenir droit, il faut d'abord croire qu'on est légitime. Il faut peut-être d'abord connaître la captivité pour se figurer ce que c'est que la liberté. Je veux pas être plate, mais ton popsicle, il me coule dans le dos.